Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de On Max l'HDV12. Vous avez été nombreux à me demander comment je farm, des petites astuces, etc. Et bien dans cette vidéo, on va se faire quelques petites améliorations ensemble. Je vais également vous présenter ma compo farming préférée du moment. Et en plus, elle peut être jouée en HDV 9, 10, 11, 12, voire même 13. Donc c'est vraiment une excellente compo que je vous avais d'ailleurs déjà présentée lors d'une précédente vidéo. Donc je vous laisserai un petit lien pour que vous puissiez aller la voir si jamais vous êtes intéressé par la compo. Donc voilà, je voudrais d'abord faire quelques petites améliorations. Sachez qu'en fait j'ai déjà tourné cette vidéo, mais j'ai eu un problème d'enregistrement, ce qui fait que j'ai balancé tout mon or et tous mes livres. Du coup, j'ai pas énormément d'améliorations à faire avec vous. Mais de toute façon, je pense que c'est pas tellement ce qu'il y a de plus important, parce que vous me voyez améliorer des choses sur mon village, je pense que ça vous intéresse pas spécialement. Mais l'objectif de cette série, c'est surtout pour moi de vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne et également de vous présenter mes compos favorites du moment, que ce soit rush ou farm. Dans le dernier épisode, je vous avais présenté mes deux compos favorites pour rush. Cette fois-ci, je vais vous montrer ma compo favorite pour farm. Et puis voilà. Donc, on va se regarder un petit gameplay donc avec ma compo farm. C'est donc du full bébé dragon. Donc, ça va peut-être en surprendre plus d'un. Mais en fait, j'utilise pas des compos entières, c'est-à-dire que dans mes camps, j'ai 280 places. Donc, théoriquement, je pourrais mettre 28 bébés dragons. Mais en fait, j'utilise que des demi-compos. C'est-à-dire qu'en général, là, dans cette vidéo, je crois, enfin dans ce gameplay, j'ai utilisé 17 bébés dragons. Mais en général, j'en utilise plus 12, 13 ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'en fait, c'est une compo qui se forme très rapidement, puisqu'on n'utilise que 130, 140 places. Elle coûte aucun élixir noir, pas trop cher en élixir. Elle se forme très rapidement, elle est très efficace. Donc, franchement, c'est une excellente compo. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous voulez plus de détails, vous aurez le lien de la vidéo farming dans la description, ou alors je vous mettrai dans le petite recommandation qui va s'afficher dès maintenant en haut de votre écran. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à aller faire un petit tour après cette vidéo. Donc voilà, c'était juste un petit gameplay histoire de vous montrer comment je farm, parce que je sais que ça en intéressait pas mal d'entre vous. Vous pouvez donc l'utiliser même en étant HDV 9, 10. 9, c'est peut-être pas l'idéal parce qu'on a des bébés dragons d'un niveau faible, mais en soi, ça peut se faire, je pense. En tout cas, à partir de HDV 10, 11, c'est vraiment une excellente compo. C'est selon moi la meilleure compo farming avec les compos de base du style barbare archer, mais qui sont des compos très très lassantes. Donc voilà, je préfère largement farmer au bébé dragon. Ensuite, je voulais quand même vous parler rapidement des prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Vous êtes également nombreux à me demander des bases ou des compos, etc. Eh bien, sachez que très prochainement, vous aurez une composition d'attaque pour HDV 10, parce que j'ai remarqué que j'avais fait beaucoup de compos pour tout niveau d'hôtel de ville, mais peu pour HDV 10. Donc vous en aurez une très prochainement. J'ai fait appel à de très bons joueurs qui vont me partager de superbes gameplay, 3 étoiles, etc. Donc ça va être top. Je vais également vous présenter des bases en priorité pour HDV 9. Je vous ai récemment présenté des bases pour HDV 12 et 8. Donc si vous êtes sur ces niveaux d'HDV, je vous invite à aller voir mes dernières vidéos. Vous trouverez des bases pour HDV 8 et 12. Et je vous ferai donc prochainement des bases pour HDV 9. Je ferai également des bases pour HDV 7, 11. Et je terminerai par des bases pour petits niveaux d'HDV du style 5 ou 6. Donc voilà. C'est globalement ça les prochaines vidéos à venir. Je vous invite également à me proposer des idées de vidéos dans les commentaires, hein, si vous avez une demande particulière à me faire. Je vous la ferai franchement avec grand plaisir, hein, ça me fait toujours très plaisir. En plus là, je vois que vous êtes de plus en plus à rejoindre la chaîne. Vous savez que moi à la base, vous voyez que j'ai 15 000 abonnés, enfin 14 000 abonnés. Je faisais des vidéos il y a très longtemps sur Clash of Clans, donc j'avais une très bonne communauté, c'était hyper sympa. Et ensuite, je me suis arrêté pendant plusieurs années et là, je reprends YouTube. Du coup, ma communauté est devenue inactive, mais là, je vois qu'elle est en train de se reconstruire petit à petit, donc ça fait vraiment plaisir. On prend 10-15 abonnés tous les jours, j'ai des vidéos qui font plus de 5 000 vues, etc. Donc c'est vraiment sympa. Et puis, bah voilà, j'espère que la chaîne continuera de vous plaire. Et puis, bah, ce fut une vidéo assez courte, hein, c'était juste un petit épisode de Onmax HDV12. Encore une fois, je vous ai pas fait beaucoup d'améliorations parce que voilà, je suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus intéressant. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt, sûrement demain pour une compo HDV10 pour une nouvelle vidéo, du coup. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!